Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto gratuit sur Photoshop. Alors aujourd'hui je vais vous apprendre à recadrer une image qui est en perspective, hein. par exemple comme ici sur un pan de mur. Là vous voyez que euh, selon l'angle de la prise de vue, ici on a un point de suite hein, qui se trouve à peu près par là. Donc forcément notre image est en perspective à l'écran. Donc vous allez voir qu'il va être très facile grâce à un outil de la de la recadrer pour arriver à la mettre à plat comme ceci. Donc c'est parti, je vous propose de commencer le tuto sans plus attendre. Alors avant toute chose, je vais vous demander de télécharger le fichier source. Vous trouvez le lien en bas de la vidéo. Donc vous téléchargez le fichier source, vous dézippez et puis vous ouvrez cette image dans Photoshop. Ce qu'on va venir faire dans un premier temps c'est qu'on va venir cliquer ici sur l'outil recadrage, on garde le clic enfoncé et on va venir cliquer sur Outil correction de perspective. On va venir faire un petit rectangle à peu près comme ceci de sélection. Donc là, on n'hésite pas à zoomer. On n'hésite pas non plus à appuyer sur espace afin d'avoir le petit curseur, vous voyez, qui se change en main pour naviguer facilement dans notre document. Et on va venir s'intéresser au point en haut à gauche ici. On peut encore zoomer un peu plus. Ce point ici, on va venir le placer bah, tout en haut ici de l'affiche. Le deuxième point ici en haut à droite, on va venir aussi le placer tout en haut. Donc là, vous voyez, naturellement, le cadrage suit la perspective du mur. Donc on n'hésite pas à mordre un petit peu dans le document hein, afin d'éviter de détourer le fond. Donc dans le document, quand je dis document, hein, c'est bien sûr dans le poster. On descend un petit peu plus bas. Le petit point ici en bas à droite, on va venir le mettre à peu près ici. Et le point ici en bas à gauche, on le remonte et on n'hésite pas aussi à mordre un tout petit peu dans le poster. Donc si bien que si je dézoome, là on vient de faire un recadrage hein, en perspective qui suit le pan de mur. On a juste appuyé sur entrée pour valider ou à cliquer ici sur le petit bouton valide. Et voilà, on vient de recadrer notre image en pleine page. Donc là on n'a vraiment pas l'impression hein, que c'était une image en perspective. D'ailleurs si je reviens en arrière, vous voyez, donc là on a bien la perspective au niveau, par exemple si on, on se fie par rapport... Au lettrage et si je reviens en arrière et là on a vraiment une ligne droite donc c'est vraiment quelque chose qui marche très très bien donc ne pas euh, hésiter à utiliser cet outil à l'inverse si on avait voulu exagérer un petit peu la, la perspective et eh bien il existe aussi un outil photoshop mis à disposition on a juste donc là vous faites CTRL Z ou CMD Z pour revenir en arrière et on va venir cliquer sur édition et on va venir euh, cliquer sur déformation de perspective. Comme tout à l'heure, là, on fait une sorte de rectangle. On n'hésite pas à zoomer, à replacer bien ces points où il faut, ici en haut à gauche, en haut à droite, en bas, et puis ici aussi. Voilà, donc on peut venir dézoomer un petit peu, comme ceci et maintenant on va venir cliquer ici sur déformation. Donc là on a un petit message, on s'en fiche. On quitte et là on va vous allez venir, vous voyez, étirer par exemple ce point ici et le point ici par exemple, on revient le basculer aussi. Donc là on vient exagérer la perspective et pourquoi pas changer soit exagérer donc la perspective ou changer un petit peu son inclinaison. Donc Après, ça dépend vraiment du, du rendu que vous, voulez, euh, que vous voulez donner, mais euh, c'est vrai que ça peut être sympa d'utiliser aussi cette technique et de la connaître hein, pour, euh, pour vos créations. Donc, euh, et ben voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, faudra pas hésiter à me les poser, hein, soit dans les petits commentaires, soit vous m'envoyez un mail à damien. @teammate. N'hésitez pas à mettre un petit, pou un petit pouce hein, si vous avez aimé euh, sur la chaîne YouTube et puis à vous abonner. Hein, plus on est de fou, plus on rit. Allez, à bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.